Salutations à tous, c'est Starcade avec son personnage Delila, la Jedi Sentinelle, qui est en route pour retrouver Warren Sedoru, un chef de la résistance qui pourrait m'aider à trouver un moyen de circonvenir les défenses de la forteresse impériale qui contient l'empereur. Je sais, ça fait beaucoup de choses à envisager, mais pour l'instant, on va juste essayer de trouver ce personnage, cette personne, pour lui demander conseil ou la faire parler. En avant. Alors, je rappelle que je suis toujours dans une base impériale, que je dois m'en sortir sans trop éveiller l'attention, sinon, je pense que les forces supérieures en nombre pourraient avoir raison de moi. Ce qui, dans un jeu en ligne massivement multijoueur, n'est pas trop grave parce que on peut se retrouver à l'hôpital du coin. Et tout de même, la fierté en prendrait un coup. Donc voilà. Sortons de ce camp impérial et essayons de retrouver Warren Sedoru. Allons-y. Et voilà, adieu camp impérial. Hop là. Bon. Il est temps de retrouver Warren Sedoru. Je pense que il se trouve dans la manufacture impériale. L'ancienne manufacture en tout cas, telle que me l'avait dit mon contact. Allons-y. Cet endroit me semble quand même malfamé, même si elle est abandonnée. Une facture militaire de droïdes. Ce droïde, apparemment. Ah non, ça va. Les résistants m'ont reconnu, donc je ne risque rien. Bon, cette fois on va passer par le... Aïe ! Je vous ai demandé de me soigner, pas de me triturer comme un Jawa curieux. Pardon monsieur, on a de la compagnie. Oh, bonjour. Je suis le sergent Carnes. Voici le soldat Hanen. Nous tentons de récupérer des informations sur l'Empire, si possible sans nous faire descendre. Une fois de plus. Quel genre d'informations vous cherchez ? Le commandement nous a envoyé chercher des données dans des épaves de vaisseaux impériaux. Des données importantes sur les défenses planétaires de l'Empire. C'est de la folie, monsieur. Pourquoi continuer à risquer nos vies alors qu'un Jedi est ici? On dirait que vous donneriez vos vies pour ces données. Ça en vaut la peine. Position de la flotte impériale, des batteries, code d'accès... Hanlen a peut-être raison. Avec ces informations, la flotte de la République pourrait installer une tête de pont sur Balmora et nous rapprocher de la libération de la planète. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas ces données. Mais on n'a pas de quoi se débarrasser de ces cinglés. Vous pourriez le faire? Vous deux restez là, je m'en charge. Je n'aime pas qu'on se batte à ma place. Mais là, j'apprécie. Bon, j'aurais donc des données à récupérer, mais pour le moment, j'ai plus important à faire, retrouver la résistance. Enfin, le chef de la résistance. Eh ben, on va le rencontrer. Bien. Eh ben, bonjour tout le monde. On raconte que vous avez vécu une sacrée aventure à Sobrik. Votre dévouement envers autrui m'impressionne. On forme une bonne équipe. On devrait faire ça plus souvent. Ça a été un plaisir de travailler avec vous, Doc. C'est quand vous voulez. Je suis encore plus efficace une fois la nuit tombée. Ah, quel caveau. Voici Nicolas McCord, un des principaux chefs de la Résistance. Il a analysé les données qu'on a récupérées à Sobrik. Il a trouvé une piste. Il y a quelques semaines, une de nos espionnes a été capturée alors qu'elle essayait de voler ce qui pourrait être le projet du système de camouflage de l'Empire. Vos données indiquent l'endroit où elle est retenue.
Voilà quelqu'un qui devrait pouvoir nous renseigner. Comment faire pour la libérer? On pense qu'elle se trouve dans une base impériale d'opération tactique. Un endroit fortifié et protégé par un régiment de soldats. Et voilà où j'entre en scène. Le colonel Finlay commande le 5e corps expéditionnaire de la République. Il a accepté de nous aider dans cette opération. Le problème, c'est que si les soldats de la base tactique voient mes hommes arriver, ils vont fermer les boucliers. Et une fois fermés, il nous sera impossible de les ouvrir. Si l'ennemi boucle la base, on perdra notre seul lien avec le prototype du système de camouflage. Un d'entre vous, Jedi, pourrait s'y infiltrer en douce et désactiver les boucliers avant leur fermeture. On serait libre d'entrer, comme ça. Il faudrait détourner l'attention du régiment impérial, faire diversion. Mes soldats peuvent s'en charger. La résistance doit prendre part à l'opération. Notre espionne ne dira rien sans moi. Je me charge d'escorter la résistance. Vous n'aurez qu'à pénétrer dans la base pour désactiver les boucliers avant notre arrivée. Préparez vos hommes, colonel. On part immédiatement. Je vous garantis que ça va leur plaire. Je vais donner mes instructions à mes hommes. Ce chef de la résistance, on ferait mieux de le garder à l'œil. Son espionne est la clé de notre réussite, et il le sait. Entrez dans la base et désactivez les boucliers. On attend votre signal. J'avais mal compris, en fait. C'est le Doc qui est chef de la résistance. Quel cabot, celui-là. Bon, eh bien, suite au prochain épisode.